La majesté de ces géants immobiles, gardiens des savanes malgaches, leur a valu d'être classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Au bout de ce stéthoscope, j'ai fixé un micro qui me permet d'entendre le cœur de ces baobabs. J'écoute avec bonheur l'eau qui coule dans leurs veines. Raconte que les premiers hommes qui s'établirent sur Terre dépouillaient les arbres de leurs fruits pour manger et cassaient leurs branches pour faire du feu. Les arbres irrités entrèrent en lutte contre les hommes, auxquels ils envoyèrent toutes sortes de maladies et de mauvais sorts. Ces derniers finirent par s'avouer vaincus. En échange de leur soumission, les arbres acceptèrent de les guérir en leur indiquant quelles racines, quelles feuilles et quel bois ils pourraient prendre dans la forêt.